essentielles. Tout à fait. Voilà, les vertus de nos huiles essentielles. C'est exactement. Bon pour l'esprit et pour le corps. Voilà, c'est ouais. Bon pour même pour l'esprit, hein, puisque ouais. Ça agit sur le mental et le psychisme. Donc le but, effectivement, c'est d'utiliser les huiles essentielles de différentes façons. Soit sur la peau, soit en olfaction, soit de façon orale quand on maîtrise. Mm-hmm. Puisqu'effectivement, c'est pas anodin, ça n'est pas une médecine douce. Ouais. C'est une médecine naturelle, mais qui peut avoir des dangers. Ouais. Donc il faut savoir les utiliser en toute sécurité. Mais qui peut être un complément de l'allopathie, si on a un traitement, ou vraiment pour régler des petits soucis du quotidien, pour des gens qui ne veulent plus de chimie, qui ne veulent plus de médicaments. Je crois que nous sommes nombreuses et nombreux. Hein, ouais, voilà, exactement. Alors, chez toi, un zeste d'aroma. Je le lis, là, il y a également des ateliers à thème. On sait te contacter voilà. Pour voilà, pratiquer ensemble. Exactement, ouais. Ce sont des ateliers de 6-8 personnes. Ok. Avec des thèmes. Alors j'ai d'autres thèmes, mais là c'est les thèmes qui reviennent en ce moment. Gérer son stress, voilà, les insomnies. Exactement. Et puis la découverte, vraiment l'atelier pour la maîtrise de départ. Ouais. Comment on utilise des huiles essentielles, se constituer sa petite trousse aroma d'urgence familiale oui. À la maison avec 6-7 huiles essentielles de base qu'on peut manipuler de différentes façons. Mm. Alors c'est aussi beaucoup d'harmonie parce qu'on le voit, les harmonies avec nos animaux à la maison, et puis d'autres types d'animaux encore plus turbulents, les enfants. C'est ça, ouais. Donc c'est vrai que ça fait souvent peur aux mamans. Est-ce que je peux utiliser l'huile essentielle sur mes oui. Enfants? Oui, bien sûr, en les sélectionnant, ça peut être de façon indirecte, sur le doudou, dans un bol d'eau chaude dans la chambre avant exact. De coucher l'enfant. Ouais. Donc effectivement, il y a plein de possibilités. Et les animaux, je suis en train de me former sur les animaux, chiens, chats et chevaux. Donc c'est possible aussi de pouvoir régler leurs petits soucis. Bon, un petit conseil avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve, comme on dit, les insomnies, je crois que tout le monde a un petit peu de l'insomnie en ce moment. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut conseiller, Delphine? Par exemple, la mandarine. La mandarine ça marche. Hein, ça ouais. Marche très bien, donc ça peut être simplement une petite goutte au niveau des poignets. On frotte, olfaction. Et hop. Voilà, et on va s'endormir tout doucement dans le sommeil.